Bonjour, bonjour. Comment vous allez? Que le Seigneur vous bénisse. Voilà, le direct aujourd'hui, c'est en pleine nature. Le Seigneur te bénisse au nom souverain de Jésus. Bonjour à chacun de vous. Bonjour à Belmonte, Sanjo. Que Dieu te bénisse au nom souverain de Jésus. Nous disons merci au Seigneur pour sa grâce, merci pour la faveur qu'il nous donne encore d'être là. Voilà, je suis en plein déplacement et là, vous pouvez entendre les voitures passer. J'espère que vous me suivez. Est-ce que tout le monde me suit bien? S'il vous plaît, dites-le-moi en commentaire. Si tu me suis, dis-moi en commentaire que oui. Ou alors, il faudra que je m'enferme quelque part. Est-ce que vous me suivez? Vous m'écoutez bien? Ou le bruit des voitures? Ok, je vais essayer ici. Ça sera noir. Là, c'est noir. Comme ça. Là, peut-être c'est bien. Voilà. Que le Seigneur te bénisse au nom de Jésus. Ok. Nous allons remercier le Seigneur pour la journée nouvelle qu'il nous accorde, pour la grâce qu'il nous donne de vivre cette nouvelle journée. Père, merci pour ta grâce. Au nom souverain de Jésus, merci pour ta faveur. Merci pour ce jour nouveau que tu nous donnes encore d'expérimenter. Que ta main qui est vivante et puissante se revêle du haut des cieux et nous conduise en toutes choses dans le nom précieux et souverain de Jésus-Christ. Amen. May the Lord bless you. Alors nous allons aller très vite. Prions que Dieu bénisse cette journée. Que la main de l'Éternel soit sur cette journée. Que le Seigneur nous bénisse. Qu'il veille sur nous. Veille sur toutes nos activités. Nous sommes dans la prière au nom souverain de Jésus. Père, merci pour ta grâce. Merci pour ce jour nouveau. Nous prions que tu bénisses cette journée. Seigneur, veille sur nos activités. Tout ce que ton peuple entreprendra des quatre coins de la terre. Nous prions que ta puissance se manifeste. Que ta grâce et ta gloire se révèlent. Dans le nom puissant et souverain de Jésus de Nazareth. Père, merci pour ta faveur, merci pour ta grâce, merci pour ta gloire manifestée dans nos vies, au nom précieux de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous allons prendre un autre sujet de prière. Cette fois, nous allons demander à Dieu la communion parfaite avec le Saint-Esprit. Écouter Dieu, c'est important. Écouter la voix de Dieu, reconnaître la voix de Dieu. Tu vas demander au Seigneur, Père, je t'en prie, donne-moi la grâce d'avoir cette communion avec toi, la grâce d'écouter ta voix. Je veux écouter ta voix, je veux discerner ta voix. Nous sommes dans la prière au nom précieux de Jésus. Seigneur, nous te bénissons encore pour l'occasion solennelle, Billahi Taouda Liforos, que tu nous accordes. Seigneur, que ta louange soit dans nos bouches,
Et nous prions que tu nous accordes la grâce de comprendre ta voix, de l'entendre et de la comprendre, de la déchiffrer. Seigneur, enseigne-nous le langage de Dieu afin que nous soyons une génération qui a la sémence de Dieu pour écouter la voix de Dieu. Seigneur, merci parce que tu ouvres nos oreilles spirituelles pour écouter ta voix, pour reconnaître ta voix parmi les 10 000 voix. Merci pour le don d'écouter ta voix, d'entendre ta voix et de reconnaître ta voix au nom souverain de Jésus-Christ. Amen. Il y a un sujet de prière qui me vient à cœur, qui est très important aussi pour nous en tant que croyants. Nous allons demander à Dieu la grâce de comprendre ses mystères, les mystères de son royaume. Seigneur, révèle-moi les mystères de ton royaume. Révèle-moi les mystères de ton royaume. Nous sommes dans la prière au nom précieux de Jésus. Seigneur, nous te bénissons parce que tu es vivant, que la louange te soit donnée. Nous prions pour la révélation des mystères de ton royaume. Révèle-nous les mystères du royaume. Seigneur, nous voulons te connaître, comprendre le fonctionnement de ton royaume, comprendre les piliers sur lesquels ton royaume est fondé et appuyé. Seigneur, donne-nous de comprendre les colonnes de ton royaume, afin d'être des hommes et des femmes matures et faits, en ce qui concerne la connaissance de Christ. Béni soit ton nom pour toujours, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà. Que le Seigneur te bénisse. Voilà, nous allons prendre un autre sujet de prière qui est aussi très important. Nous naissons sur la terre, nous ne choisissons pas comment nous naissons, mais nous pouvons choisir comment nous mourons. C'est possible. Donc, on va faire un sujet de prière qui est peut-être un peu trop enfantin par rapport à Dieu. Seigneur, je te demande une seule chose, ne permets pas que je meure hors de ta présence. Et David a dit, ne me chasse pas loin de ta présence, ne me chasse pas de tes parvis. Demandons à Dieu que chacun prie de tout son cœur. Seigneur, ne me chasse pas de tes parvis, ne me chasse pas loin de ta présence. Seigneur, ne permets pas, n'accepte pas que je meure en ennemi de Dieu. Ne permets pas que je meure le dernier jour de ma vie sur la terre. Seigneur, que je parte entre tes mains, que je sois dans tes bras, que je sois recueilli dans ton sein. Nous sommes dans la prière au nom souverain de Jésus. Mon Père et mon Jésus, accorde-moi la grâce de ne point mourir en ennemi de Dieu. Je demande une seule chose. Mes frères et mes sœurs aussi demandent la même chose ce matin. La grâce de mourir dans les bras du Tout-Puissant, de mourir dans de bonnes conditions, étant ami de Dieu. Seigneur, merci pour ta grâce. Seigneur, accorde-nous cette faveur. Que tout ce qui a été préconisé par l'ennemi pour faire, que nous mourions loin de toi, Seigneur, soit anathème. Que le dernier jour de notre vie sur terre soit un jour glorieux pour nous, pour chacun d'entre nous. Que nos noms soient inscrits dans les livres de la vie éternelle, au nom précieux et souverain de Jésus de Nazareth. Amen. Dis Amen avec foi. Si tu as prié avec foi, ça veut dire que le Seigneur t'a exaucé. Il a dit, tout ce que vous demanderez à mon nom, croyez que vous l'avez reçu et vous verrez la chose s'accomplir. Donc, crois tout simplement que tu l'as reçu et la chose est déjà accomplie. Dieu ne permettra pas que tu meures loin de sa présence. Quel que soit ce que le diable peut mijoter comme piège contre ta vie, le Seigneur ne permettra point. Béni soit le nom de Jésus-Christ, notre souverain roi. Amen. Amen. Que Dieu te bénisse. Ce soir, nous avons à Yaoundé la grande conférence des bâtisseurs de la maison de l'Éternel. Donc nous vous attendons très très nombreux. Que la main de Dieu soit dans ta vie. C'est à partir de 16h à la Bire, à Yaoundé. Quand tu arrives en Kouaban, tu demandes tout simplement qu'on te dépose au niveau de la Bire. Voilà, la congrégation baptiste camerounaise, la base internationale Ramadan. Nous vous attendons très nombreux. Plusieurs prient le V et respectons nos V devant le Seigneur Jésus-Christ. Donc, que Dieu te bénisse au nom de Jésus. Ce vendredi, nous ne manquerons pas la grande nuit des flammes. La grande nuit des flammes qui va se passer à partir de 21h toujours à la Bire au niveau de Yaoundé. Et si tu es prêt, et si tu te prépares pour cet événement extraordinaire. Et ce dimanche, nous venons posséder la porte du mois d'août. Si tu veux mener une vie victorieuse dans ce mois, tu veux remporter les batailles spirituelles de ta vie dans ce mois, tu veux que ce mois soit le plus beau mois de ta vie, tu veux que les événements les plus heureux accompagnent ta vie pendant les 30 jours de ce mois, s'il te plaît, viens ce dimanche 1er août à partir de 7h30 à la Bire à Yaoundé et à partir de 16h à Ndokbon à Douala. Donc, nous vous attendons que ce soit à Yaoundé ou à Douala et dans toutes nos chapelles, nous célébrons
Et le nouveau mois que Dieu nous donne, c'est un mois de grâce et de bénédiction, un mois de combat spirituel pour nous vaincre l'œuvre de Satan et de la sorcellerie par l'onction du Saint-Esprit. Ce sera un mois où nous allons nous appesantir sur la personne et l'œuvre du Saint-Esprit et comment être rempli de l'Esprit pour vaincre la puissance de Satan et celle de la sorcellerie. Donc que Dieu te bénisse au nom souverain de Jésus-Christ de Nazareth, notre Seigneur. Donc, nous bénissons Dieu pour la grâce qu'il nous accorde. Vous voyez, nous sommes là ce matin et nous allons partager la parole de Dieu. Hier, nous avons parlé de la sémence de Dieu. On a parlé de la sémence de Dieu. Et on a vu ça avec l'apôtre Jean, la sémence de Dieu. Et l'apôtre Jean nous a expliqué hier que quiconque est né de Dieu ne peut pas pécher. Parce que la sémence de Dieu est en lui. Ça serait un peu noir là, bon, mais dans la voiture, c'est... Quiconque est né de Dieu ne peut pas pécher. Pourquoi? Parce que la sémence de Dieu est en lui. Voilà. Il ne peut pas pécher parce que la sémence de Dieu est en lui. Celui qui est né de Dieu ne peut pas pécher parce que la sémence de Dieu est en lui. Vous voyez? Donc, chers amis, on a vu hier que la sémence de Dieu, le mot sémence, vient du grec sperma, qui veut dire sperme en français. Et on a trouvé que le mot sperme, vous savez que nous, quand on a donné notre vie à Christ dans les années 94 et 95 surtout, quand nous étions en classe, bien aimé, je ne faisais pas le cours de science. Science, on appelle ça, c'est science naturelle. C'est l'anatomie humaine. Moi, quand le professeur de sciences naturelles arrivait, je sortais de la classe. Pourquoi? Parce que je disais que c'est le péché qu'il enseigne. Quand on parlait surtout des parties intimes, des appareils génitaux chez l'homme, chez la femme surtout là. Nous, on disait que c'est l'impudicité dans le grand zèle qu'on avait pour Dieu. On disait ça, c'est l'impudicité. Aïe, 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 aïe! Aïe! Comment tu peux appeler les trucs comme ça là? On disait la bouche du professeur est impure. Aïe! Quoi? What? Tu prononces des choses dangereuses comme ça en pleine classe. Et comme les professeurs de sciences naturelles alors sont des pervers aussi, certains d'entre eux, dont le gars disait, il définit le rapport sexuel entre l'homme et la femme. Tu vois, quand tu mets comme ça, tu coupes les reins comme ça, le gars coupe les reins, tu sens qu'il convoite une fille dans la salle de classe. Donc, ça fait que moi, chaque fois j'avais zéro. En sciences naturelles. J'avais zéro, surtout la partie de l'anatomie humaine. Parce que nous, on fuyait ça. Non, il décrit les seins, il décrit l'appareil génital chez la femme. Et là, alors, il s'attardait là-dessus. Il décrit, tu te demandes que c'est encore le coup, ou bien on est en train de pousser à chercher la femme. Alors, c'est comme si on cherchait à t'exciter, à aller faire les rapports sexuels. Donc, tu sentais que les garçons dans la salle de classe étaient mal à l'aise. Les pantalons étaient persécutés. Donc ça fait que quand le professeur entrait là, nous là, on sautait par la fenêtre. On disait que le pécheur là est encore venu avec le satanisme là. Et ça m'a fait perdre beaucoup de choses et j'ai pris beaucoup de retard dans ce domaine là. Voilà, donc je me souviens qu'un jour, je causais avec une sœur. Je parlais avec une sœur et puis je voulais lui parler. Je lui disais que ton pubis se dilate et se rétracte. Elle m'a dit, aïe, 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 ne dis plus ça. Et moi, je me demandais que j'ai dit quoi, j'ai péché. Quel est mon péché? J'ai dit que son pubis se dilate et ça se contracte. Elle m'a dit, ne dis plus ça, aïe, 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 ça c'est le péché. Elle m'a dit, je lui demande, ça dit quoi? Elle me dit, toi-même, va regarder le dictionnaire. Quand je suis allé regarder le pubis, j'ai compris que le pubis était différent de l'iris. Vous voyez? Pourquoi? Parce que dans ce domaine-là, on s'était renfermé. Nous, on était à la vraie église. Des croyants, vous voyez, dans la vraie église, là, authentiques conservateurs. Conservateur au point, je ne saluais même pas les soeurs avec mes mains. À l'école, on savait ça, au lycée. Les soeurs ne s'asseyaient, les filles ne s'asseyaient même pas sur mon banc, sur ma chaise. Ce n'était pas possible. Tout le lycée savait cela. Donc, tu es très conservateur. Donc, ça nous a préservé, c'est vrai. Nous bénissons le nom du Seigneur pour cela. Ça nous a préservé beaucoup de folie. Donc, la Bible explique, l'apôtre Jean nous a dit hier que, je vois, dans Jean 3, 9, il dit que, celui qui est né de Dieu, il n'est pas possible que celui qui est né de Dieu puisse pécher. La simple raison, c'est que la sémence de Dieu demeure en lui. Et hier, j'ai expliqué que le mot sémence, on a vu que le mot sémence venait du mot grec sperma,
qui a donné en français sperme, qui en réalité signifie la semence ou la postérité. Donc, il y a deux sens, la postérité et la semence. C'est-à-dire qu'un homme qui a des enfants, on appelle ses enfants sperme en grec, ça veut dire que c'est sa postérité. Et ce qu'il met dans sa femme est appelé sperme, c'est-à-dire que c'est sa semence masculine qu'il met dans sa femme et il y a fécondité. Alors, le spermatozoïde va rencontrer l'ovocyte 2, il y aura fécondation, il y aura une sorte de chimiotactisme positif entre l'ovocyte 2 et le spermatozoïde, et puis voilà, il y aura fécondation et l'enfant viendra, et toi et moi nous sommes nés, créature merveilleuse devant le Seigneur à son image et à sa ressemblance. Donc, c'est la semence que l'homme dépose dans la femme qui rend possible la fécondation. Donc, c'est un peu ça la réalité. La Bible explique donc que celui qui est né de Dieu ne peut pas pécher. Pourquoi? Parce que la semence de Dieu est en lui, le sperme de Dieu est en lui, c'est-à-dire que la semence de Dieu, la nature de Dieu est en lui. Maintenant, lorsque nous lisons dans Somme 82, le verset 6, Somme 82, verset 6, et Jean chapitre 1, verset 12, que j'ai expliqué hier un peu, il dit, « Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, et d'aucun autois exousia tegnateu genestai, il leur a donné le pouvoir d'être accouchés par Dieu. Hein? Genestai, ginomai ou genao, qui veut dire engendrer, accoucher, enfanter quelqu'un. Donc ceux qui sont nés de Dieu ont été conçus en Dieu et ils ont été accouchés par Dieu. Ça veut dire que Dieu tombe enceinte spirituellement de nous et puis et il nous enfante. C'est pour ça que Nicodème ne comprend pas lorsque Jésus lui dit que il faudra que ceux qui croient en Dieu naissent de nouveau. Si vous voulez être sauvés, il faut que vous naissiez de nouveau. Et là-bas, c'est Genao Anoten. Hein? Genao Anoten qui veut dire naître, Anoten veut dire du ciel, naître d'en haut. C'est-à-dire être engendré par Dieu d'en haut. Dieu qui est haut, tu viens d'en haut. Donc, l'homme charnel vient d'en bas, il vient de la poussière. Tandis que l'homme spirituel naît d'en haut, il descend d'en haut comme Christ lui-même est descendu d'en haut. Donc, c'est ça, en fait, anoten, naître de nouveau, anoten, c'est en grec signifie d'en haut plutôt, vous voyez, naître d'en haut. Donc, l'être spirituel qui est né de Dieu vient d'en haut, il descend d'en haut. Nous sommes des êtres célestes, nous provenons d'en haut, c'est aussi pour cela que nous sommes assis dans les lieux élevés avec Dieu à sa droite, vous voyez. Donc, ici, donc, la Bible explique que ceux qui ont reçu Jésus-Christ, à ceux qui croient en son nom, ceux-là sont nés de Dieu. Maintenant, l'apôtre Paul, hier, nous avons vu, il a dit que nous sommes de sa race, puisque nous sommes de sa race. Nous avons vu que le mot race, c'est Géna aussi qui veut dire l'espèce. Donc, nous portons la nature de Dieu en nous. C'est pour ça que dans Somme 82, le verset 6, la Bible dira, j'avais dit, vous êtes des dieux. Vous êtes tous des fils du Dieu très haut. Mais cependant, vous mourrez comme des hommes, vous tomberez comme des princes quelconques. De dire, j'avais dit, vous êtes des dieux. Et Paul dit, tel il est, tel nous sommes. Donc, bien aimé, parce que tu es né de Dieu, parce que la sémence de Dieu est en toi, tu es un dieu. La divinité est en toi. Parce que les manguiers ne peuvent produire que des mangues. Et les goyaviers ne peuvent produire que des goyaviers. Un manguier ne peut pas produire des papayers. Un papayer ne peut pas produire un mandarinier. Ce n'est pas possible. Chaque sémence détermine l'espèce. Chaque sémence définit l'espèce. Donc, si la sémence de Dieu est en moi, j'appartiens à l'espèce divine. À partir de ce moment, je suis un Dieu. La divinité est en moi. L'ADN. Parce que chaque sémence possède l'ADN de son espèce. Et l'ADN de l'espèce détermine les individus, les races, la différence entre les races. Donc nous sommes de la race de Dieu. Et il est très important que chaque croyant sache qu'il est de la race de Dieu. Et ce que le diable fait pour nous détruire le plus souvent, c'est de nous faire oublier de quelle race nous appartenons, à quelle race nous appartenons. Bien-aimés, laïta wa anasmaris, que Dieu nous aide à comprendre. Si tu ne comprends pas ta race, tu seras découragé devant des problèmes sur qui tu as autorité. Le diable va te mater. Le diable va te ruiner. Pourtant, tu as autorité sur lui parce que Dieu t'a donné autorité. Sur lui, nous sommes des dieux sur la terre. J'avais dit, vous êtes des dieux. Pourquoi? Parce que ma sémence est en vous. Mon sperme vous a créé. Vous avez été créé de nouveau. Il dit,
It hoste etis en Christo, kahine ketisis, ta arkaia parelten idu gegonen kahine. Si n'importe qui en Christ, il devient une nouvelle création, kahine ketisis. Il est une nouvelle création. Kahine ketisis en grec veut dire qu'on le crée de nouveau. Donc on a subi deux créations. La première création, c'est celle charnelle, l'homme charnel. Mais la deuxième est spirituelle, mon bien-aimé. Tu es un être spirituel. Tu as en toi ce qu'on appelle la dualité. C'est-à-dire, tu as deux natures en toi. Tu ne dois jamais l'oublier. La nature humaine, la nature divine. Mais à combien pourcent tu vis dans ta nature humaine, charnelle? Et à combien pourcent tu vis dans ta nature divine? Chacun doit se poser cette question. C'est là le problème. Il y a des enfants de Dieu nés de nouveau. Et nés de Dieu, mais qui vivent à 100% dans la nature charnelle et humaine. Et donc, ils ne bénéficient pas de toutes les prérogatives que leur réserve leur nature divine. Ils ne bénéficient pas. Ils sont sujets aux malédictions, aux limitations, aux maladies et à beaucoup d'autres maux qui ruinent leur vie. Pourtant, il suffisait d'une seule parole et la chose, la montagne allait s'abaisser devant toi. Une seule parole et la mer allait se diviser devant toi. Une seule parole et cette situation allait t'obéir. À combien pourcent tu fonctionnes dans ta vie charnelle humaine, terrestre et dans ta vie céleste, chacun doit évaluer. Certains sont charnellement 75% et divinement 25%. Vous voyez? Non! Bien aimé, ta vie, ta nature divine doit, doit prédominer sur ta nature charnelle. Ne laisse pas l'homme charnel dominer ta vie, mais laisse l'homme spirituel en toi dominer ta vie. L'homme taillé à l'image de Dieu, à sa ressemblance, à qui toutes les prérogatives et tous les pouvoirs spirituels ont été donnés. Il dit, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, rien ne pourra vous nuire. Rien ne doit nuire à ta vie. Rien ne doit nuire à ton existence, à ton mari, à cette heure. Si tu opères à partir de ta nature humaine, tu vas échouer. Mais si tu opères à partir de la nature divine, tu seras un héros. Il dit, j'avais dit, vous êtes des dieux. Combien d'enfants de Dieu se voient comme des dieux? Quand il y a un problème, si tu te voyais comme un dieu, au lieu de pleurer, au lieu de te plaindre, au lieu de pleurnicher, tu serais en train de changer le monde. En train de changer les choses parce qu'elles refusent de changer. Tu serais en train d'ouvrir ta bouche pour appeler à l'existence dans ta vie. Les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. L'église manque d'autorité parce que nous ne fonctionnons pas dans la divinité, mais dans le charnel, dans notre partie humaine, dans notre humanité. Beaucoup d'enfants de Dieu, nous sommes sujets à beaucoup de mal, à beaucoup de choses qui nous ruinent, nous rendent malheureux. Tu ne sais pas que ton foyer qui est dévasté là, tu peux changer les choses. Juste la parole de ta bouche, si tu te positionnes dans ta divinité, tu peux changer le cœur de ton mari en t'appuyant sur la promesse de Dieu pour ta vie. Bien-aimé, il est temps que chacun prenne possession de ses possessions. Il est temps que nous fonctionnons en plein régime dans la divinité. 100% divinité. Quelqu'un doit écrire 100% divinité dans son commentaire. 100% divinité. Je fonctionne dans la divinité. Je suis un Dieu. Je suis à l'image de Dieu et à sa ressemblance. Et pour cela, je sais que je marquerai ma génération. 100% divinité. Donc, je veux quelqu'un qui dise que à partir d'aujourd'hui, je voudrais manifester la divinité dans ma vie. Je voudrais travailler dans la divinité. Je voudrais agir à partir de ma divinité, de ma position d'autorité spirituelle. Pas comme quelqu'un avait dit de ma position d'autorité spirituelle, Paul Biya va mourir, c'est en 2018. Voilà Paul Biya qui est vivant encore jusqu'aujourd'hui. Donc, tu dois manifester la divinité. Si nous manifestions la divinité, nous changerions le monde. On ne peut pas changer le monde à partir de la position humaine. Ce n'est pas possible. Tu ne peux pas marquer ta génération en tant qu'homme. Non. Manifeste 100% ta divinité. Aujourd'hui, active la divinité en toi. La Bible dit que Dieu appelle à l'existence des choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Là, c'est la divinité. C'est par la divinité que Dieu a créé tout ce que nous voyons. Et c'est dans la divinité que tu peux créer dans ta vie des choses qui marqueront à jamais ta vie. Des choses extraordinaires, des choses mirifiques, des choses mirobolantes, des choses enjolivées et enjolantes, des choses belles. Pourquoi? Parce que dans la divinité, rien n'est impossible. C'est dans ton humanité que les impossibilités se multiplient devant toi. Les montagnes sont rebelles à celui qui est dans son humanité.
Mais quand tu actives la divinité, aucune montagne ne peut plus te résister. Tu ordonnes et la chose arrive. Tu commandes et elle vient à l'existence. Bien-aimé, 100% divinité. Je veux quelqu'un qui confesse ce matin 100% divinité. Pendant que tu le dis dans la foi, ta mentalité change. Tu actives en toi la divinité, le sang de Christ, par l'ADN de Jésus-Christ, et activé en toi la nature divine est manifestée, et tu verras qu'aucune montagne ne résistera devant toi, aucune mer rouge ne résistera devant toi, aucune muraille, aucune barrière, aucune œuvre de Satan ne prospérera contre toi, mais tu les renverseras, tu les vaincras, tu remporteras la victoire sur les œuvres de l'ennemi, parce que 100% divinité en toi. La divinité a été manifestée en toi. Donc l'Église a besoin d'activer la divinité. Dans tes affaires, est-ce que tu sais que tu peux parler à ta boutique? La Bible dit terre, écoute, ciel, entends. Est-ce que tu sais que ta boutique, là, tu peux lui dire que la marchandise qui est entrée en toi, ma boutique, 24 heures. Je te donne un préavis de 24 heures. Toute la marchandise, il doit sortir. Et je te le dis en toute vérité, avant les 24 heures là, tu vends ta boutique vite. Et si vous ne savez pas qu'on a ce pouvoir, Jésus a dit que si vous aviez la foi comme un grain de sénévé, comme pour dire qu'on n'entre pas dans la divinité sans la foi. Et Dieu vous dira à cette montagne, déplace-toi de là et jette-toi dans la mer. Mais c'est impossible que la montagne marche. D'abord, pour qu'elle marche, pour qu'elle t'obéisse, il faut que tu aies le pouvoir. Et pour que ce pouvoir soit manifesté, il faut qu'elle t'entende. Donc la divinité, c'est la capacité de communiquer avec la nature. Et c'est un langage spirituel et mature pour des hommes spirituels matures comme vous. Ça signifie tout simplement qu'un homme qui est divin communique avec la nature, peut communiquer avec ses montagnes. Et si tu diras à ce sycomore, déracine-toi de là et va te jeter loin là-bas. Et le sycomore t'obéira. Est-ce que l'arbre parle aux humains? Est-ce qu'il y a un langage entre les arbres et les humains? Non. Mais qu'est-ce que Jésus veut dire? La montagne, les sycomores, ça représente des problèmes. Ça peut être la maladie, ça peut être les blocages, ça peut être les célibats, ça peut être une souffrance quelconque, les échecs sentimentaux. Mais la Bible dit que quand tu manifestes la divinité, ces choses-là vont t'entendre. Tu vas leur parler, vont t'entendre, tu vas les entendre. Parce que tu es un Dieu, tu parles en tant que Dieu. Et en tant que Dieu, ces choses-là obéissent à ta voix, parce qu'elles se soumettent à ta divinité qui parle en eux. Donc quand tu parles, tu comprends le langage du sycomore, tu comprends le langage de la montagne, la montagne comprend ton langage, et le sycomore comprend ton langage. Quand tu commandes, ils comprennent et ils obéissent. Donc c'est un peu cela. Quand tu ordonnes à la sorcellerie de se taire, elle se tait dans ta famille, toute la famille est délivrée. Et tu peux devenir en ce moment le Joseph de ta famille, tu peux apporter le salut dans ta famille. Donc 100% divinité ce matin. Et si tu savais que dans ton lieu de travail, tu peux influencer le cœur de ton patron, et si tu sais ça? Oui, tu peux le faire. Et si tu sais que tu peux arriver dans un bureau où on refuse de t'accueillir, tu te tiens là, tu actives la divinité, tu passes, tu bascules de l'humanité à la divinité. La Bible dit dans Proverbe 21, verset 1, tu t'appuies sur cette parole, le cœur du roi est un courant d'eau dans la main de l'Éternel, il incline partout où il veut. Tu inclines le cœur du roi en ta faveur. Tu t'appuies sur Proverbe 10, 22. Lorsque l'Éternel approuve les voies d'un homme, il dispose favorablement à son égard, même ses ennemis, et tu ordonnes que tu seras reçu et tu seras reçu. Et si tu sais que ton dossier qui traîne dans le ministère là depuis des années, depuis 10 ans, 20 ans, 15 ans, c'est parce que au lieu d'activer la divinité, tu es en train de te plaindre, de corrompre là-bas à gauche, corrompre à droite, de mouiller les barbes des gens à droite, même les barbes, même les mentons imberbes, même ceux qui n'ont pas la barbe, tu mouilles quand même leur menton. C'est pour cela que ça ne fonctionne pas, bien aimé. Activons la divinité. Tu peux t'asseoir chez toi, tu te mets à genoux devant Dieu. Tu ordonnes. Et le directeur, là, le sommet lui enlevé. Dieu lui parle en rêve que va. Il y a un dossier comme ça, prends le dossier là, signe ça vite et libère l'argent là. On a ce pouvoir en nous. Mais parce qu'on ne comprend pas la puissance de la divinité en nous et de la sémence de Dieu en nous, ça fait en sorte que bon, on souffre. On est misérable. Gourami anau alos, menau dalek, wa inaspras. Plein de l'esprit, mais notre vie c'est zéro, rien. Le mariage, là, si tu ne sais pas que tu peux aujourd'hui décider de la date de ton mariage, et la chose arrive exactement comme ça, à partir de ta position d'autorité et de divinité, bien aimé, changeons le monde. Commence par changer ta vie, exerce-toi aujourd'hui. Si tu es commerçant, tu as un sac de maïs, dis que sac de maïs dans 3 heures de temps tu dois finir, tu le dis avec foi. Dieu va sortir, ta foi là va sortir. Des clients de partout, de nulle part, ils viendront et la parole sera exécutée. Voilà. Donc, nous avons la conférence des bienfaiteurs ce soir à partir de 17h à la Bire à Yaoundé. Si tu m'écoutes, tu es à Yaoundé, ses environs, voyage et viens pour la conférence. Et ce vendredi, bien aimé, voyage.
Ne laisse pas cette nuit te passer. Ne laisse pas le mois d'août être un mois de regret ou de remords pour toi. Viens prendre possession des portes du mois d'août. Le thème de cette nuit des exploits, c'est prendre possession des portes du mois d'août. De la porte du mois d'août. Et ce dimanche, ça sera fort, redoutable. Yaoundé, ça va trembler. Ne reste pas à la maison. Viens avec toute ta famille. Porte toute ta famille. Viens prendre possession de la porte du mois d'août. Dieu va te bénir. Une onction spéciale sur les familles à Yaoundé. Ce sera 7h30 à la Bire. Et à Douala, on continuera le même soir. Je serai là personnellement à partir de 16h. En Ndokbon, l'église est derrière l'immeuble Kamlé au quartier Ndokbon. Que Dieu te bénisse au nom souverain de Jésus-Christ. Je vais devoir vous quitter pour continuer ce que je suis en train de faire. Que la main de notre Jésus-Christ soit sur toi. Que Dieu te bénisse. Sois 100% divin. Shalom, 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 shalom.